Bonjour chers élèves de rythmique. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer le petit défi que je vous propose de réaliser avec les foulards. Pour réaliser ce défi, il faut deux foulards comme ceux que j'utilise au cours. Si vous n'en avez pas, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, vous pouvez prendre une serviette, une grande serviette, un grand mouchoir ou bien un essuie-vaisselle, quelque chose en tissu d'assez léger si possible. Le but de ce défi, c'est de réaliser, que vous réalisiez chez vous, une petite pièce rythmique qui est faite de 8 fois une séquence rythmique que je vais vous montrer. Cette séquence rythmique va être reprise avec toutes les idées des autres pour faire un montage que vous pourrez voir sur le site de l'Académie au mois de juin. Oui, alors si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder la vidéo préparatoire qui est la leçon 5 ans et plus avec les foulards qui vous aide à préparer un peu ces gestes de foulard. Mais bon, ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi directement essayer comme ceci, ce n'est pas très compliqué. La séquence de base que vous devrez faire 8 fois, c'est comme ceci. Je lance et j'attrape, je lance et j'attrape, je lance les deux et je saute. Je lance et j'attrape, je lance et j'attrape, je lance et puis je saute. Voilà, ça c'est la séquence de base, j'ai déjà fait 2 fois ici. Donc si je vous la présente avec les hop et les hip que j'ai utilisés dans la leçon pour les 5 ans, ça fait hop, la, hop, li. Hip, la, li, boum. Hop, la, hop, li. Hip, la, li, boum. Voilà, je l'ai encore fait 2 fois. Je peux aussi vous la présenter en disant les noms des rythmes pour ceux qui préfèrent. Ça fait noir, 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 noir. Croche, 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 noir. Noir, 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 noir. Croche, 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 noir. La difficulté ici, c'est que quand je rattrape le deuxième foulard, je dois déjà être en l'air. Hop, pour pouvoir atterrir sur le boom. Donc ça fait lance, attrape et tu sautes pour la fin. Donc ça fait lance, attrape, lance, attrape, lance, attrape et tu sautes. Ouais, il ne faut pas être en retard pour la prise d'élan, pour le saut. Je peux aussi vous la faire avec les rythmes résultants qui sont dans ce rythme. Blanche, blanche, noir pointé, noir, blanche, blanche, noir pointé, noir. Vous aurez peut-être remarqué que c'est un rythme un peu spécial. Effectivement, il est constitué de 13 croches et pas 16 comme on a l'habitude. Donc voilà, ça c'est la séquence de base. Je vais vous la faire donc 8 fois avec l'accompagnement, avec le fichier son que vous devrez utiliser pour faire votre pièce rythmique. Ça c'est très très important parce qu'il faut qu'on ait tous la même base, le même tempo pour pouvoir mixer les vidéos. Donc je vais vous faire entendre le fichier que vous avez aussi reçu dans le mail, dans un autre fichier son qui s'appelle rythme baguette ou rythme foulard. Alors, il y a une intro. Voilà, c'est l'occasion de vous exercer. Quatre. C'est le cinquième.
Donc, évidemment, vous pouvez faire 8 fois la séquence avec les foulards, comme ça, et me l'envoyer. Mais vous pouvez aussi, c'est ça qui est un peu, je trouve, intéressant ici, c'est que je vais vous proposer de faire des variations, de ne pas faire 8 fois la même chose. Donc, je vais vous parler un peu de ces variations maintenant. Donc, la première variation que vous pouvez faire, éventuellement, c'est changer d'espace. Plutôt que de tout faire de face, vous pouvez changer d'orientation. Par exemple, lancer, attrape, lancer, attrape, là, tala, et quand je saute, hop, je change de sens, par exemple. Vous pouvez aussi faire demi-tour, ou vous abaisser, voilà, changer l'espace. Une autre variation possible, c'est de changer les gestes. Plutôt que de lancer et attraper, vous pouvez faire par exemple j'ouvre et je ferme. J'ouvre et je ferme. J'ouvre les deux. Yap, par exemple. Ta-ta-ta-ta-ta. Yam. Hein, donc vous inventez un peu une chorégraphie. Ou, en avant, je reviens. La-la-la-la. Yap-ta-ta-ta-ta-ta. Pourquoi pas un petit moulinet. Et hop! Et lâcher. Vous pouvez inventer différentes choses avec ces foulards. Je fais confiance à votre imagination. Vous pouvez aussi les faire sans les foulards, comme avec des foulards fantômes, comme on a fait dans la vidéo avec le cours des 5 ans et plus. Et je fais simplement comme si mes bras étaient des foulards. Ça peut être très joli aussi. Vous pouvez aussi les transformer et faire comme mettre un caractère différent. Par exemple, le faire comme un robot. Ça pourrait être je compte sur vous pour inventer, être créatif avec tout ça. Ça peut être comme le faire comme un chat. Vous pouvez le faire comme une danseuse pour ceux qui font les cours de danse. Et puis je ne sais pas moi. Par exemple, le tout de pouvoir enchaîner vos 8 idées sans s'interrompre. Une autre idée aussi, évidemment, c'est de le faire en percussion. Donc, je peux faire une percussion inspirée des gestes. Que vous inventez, genre vous pouvez aussi mettre des nuances, vous pouvez faire plus doucement. Plutôt que de dire lance et attrape, vous pouvez dire bonjour à tous, par exemple, et inventer une petite phrase. Vous pouvez aussi le chanter, pourquoi pas. Par exemple, talalila, 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 talalila. Voilà, petite idée en passant. L'important, c'est que vos idées s'enchaînent bien et elles soient réalisées en même temps que le fichier son que je vous ai fait écouter. C'est très important. Donc, par exemple, vous n'êtes pas obligé de changer à chaque fois, ça va être peut-être compliqué. Vous avez 8 possibilités, vous pouvez faire par exemple 4 avec les foulards et 4 en percussion, ou bien 2 avec les foulards et puis 2 avec des mouvements, de la danse. Et puis encore 2 avec la percussion, et puis 2 en faisant un animal par exemple, en mimant un ours, ce qui vous vient à l'esprit.
Alors, quand vous avez bien répété votre petite pièce, que vous la connaissez bien, vous demandez à quelqu'un de votre famille de vous filmer. Et alors ici, attention, il y a des choses très importantes que je dis dans le mail aussi, mais je les répète ici. Il faut d'abord être dans une pièce où il n'y a pas de bruit. Donc, vous fermez les fenêtres et vous vous assurez que personne ne rentre dans la pièce pendant la vidéo. Vous devez demander à la personne qui vous filme de filmer en horizontal, donc de mettre le smartphone à l'horizontale, pas comme une porte, hein, mais comme ceci. Ça, c'est très important. Il est important de bien respecter la pulsation et le fichier son. Donc, pour vous aider, il y a une petite introduction. Il y a un pam, 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 pam. Et puis, ça commence. Ce n'est pas grave si on l'entend sur la vidéo. Parce que je sais que vous devez faire des mouvements, donc l'écouter au casque, ça va être compliqué. Donc, on peut l'entendre sur la vidéo. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Oui, quand vous avez votre petite séquence, vous pouvez me l'envoyer par mail, l'envoyer par WeTransfer. N'oubliez pas de mettre votre nom, votre prénom, éventuellement votre classe, hein, si vous êtes de SPI ou d'OVLAY. Et de me dire si c'est la pièce à partir des foulards ou à partir de la balle. Donc ici, c'est la vidéo pour les foulards. Si vous avez des questions, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me téléphoner, je suis disponible, ou à m'envoyer un mail. Si vous voulez aussi m'envoyer un premier jet pour avoir mon avis, vous pouvez toujours me l'envoyer, et puis alors comme ça, on pourrait travailler dessus. Voilà, et le résultat, maintenant que... oui, j'aimerais bien que ce soit envoyé pour le 31 mai. Comme ça, moi, au mois de juin, avec la jeune femme qui va s'occuper des montages, on essaye de faire un chouette montage avec toutes vos idées, alors, soit que les idées foulards, que les idées balles, ou mélanger les deux, ou faire un canon, on verra un peu d'après vos propositions. Voilà, mais j'espère que ce défi vous tente et que je recevrai plein de vidéos de vous, et que ça, je me réjouis de vous revoir en action, en rythme, en mouvement et en créativité. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.